serein. Hein. Au fond, vous savez à l'avance. Alors, il va faire bisquer Tuoporum qui veut me filmer, parce qu'il ne va pas arrêter de bouler. Vous voyez que le pot de vin olytique, l'eau peu la noire, jusqu'à la Garoune. On passe par les Deux-Sèvres, on se cause jusque dans la Vienne, dans le nord des Charentes et tout. Là où il y a le Saint-Honoré, dans les Deux-Charentes, un petit bout de Gironde, une Anquiave, qu'on va jusque dans le Lot-et-Garonne, une autre petite au bout d'Auverdon. Tout eux, on fait le pot de vin Saint-Honoré. On est la même affaire, mais on n'est pas tout à fait la même affaire. Hein. Mais il s'est né qui à rendre le croissant, parce qu'on est une autre affaire, Dieu. On est que chez nous autres, on peut toujours rentrer, il y a tout par les marchois. Il y a deux mondes qui causent le marchois, vous voyez, il y a le guéret qui. Et le marchois, on arrive en Haute-Vienne, on arrive dans le sud de la Vienne, et on s'en va en Charente demain. Il y a même deux petits morceaux de marchois dans le sud de la Charente et puis en Dordogne. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, le pot de vin à Saint-Honoré, on est quasiment d'eau marchois, mais un petit bout médaille que vous autres. Nous autres, ils disons « i » comme vous autres, leur dire « je ». On est « i », « i mange », « i chante ». Ils disons « do » pour dire qu'il y a « dos affaires »,« des » en français, disons « you ». Ils disons « oyem bolé Nicolas Kant » à matin. L'a dit qu'en marchois, qu'on disait « ner » pour dire « noir hein? ».« Ner », on ne le disait pas tout à fait de même, on devait faire une diphtongue. « Night abbé ».« Night abbé ». Chez nous autres, pour être dans Saint-Honoré, « noir » se dit « ner » dans le nord de Poitou et « nègre » dans la Saint-Honoré et le sud de Poitou. « Nègre », un petit bout comme en occitan. L'a dit une autre affaire et tout. Elle avait dit deux affaires. Elle avait dit nègre, et puis l'autre, elle avait dit le quoi. Pour montrer que le marchois était entre l'oc et l'oïl. Ah oui, faune. Une faune en marchois. Et bien nous autres, on pouvait faire, disons, une fumée. Mais d'autres fers se disaient une fane. Parce qu'ils disaient sané pour semer. Alors qu'en marchois, on est sans nom. Hein? Sané, nous autres, disons, et disons une femme. Voilà, pour vous montrer le poète de Saint-Honoré. À vous, il va arrêter de causer d'eau poète de Saint-Honoré, il va vous causer d'eau marchoire de chez nous autres, d'eau marchoire d'eau charmante. On a parlé ce matin de deux Tourtoulon et Bringuier qui, en 1876, ont publié un rapport fixant la limite entre Hoc et Oil. Ces deux personnages sont donc promenés, on a dit, en charrette, depuis Bordeaux jusqu'ici, pour fixer cette limite. En Gironde, dans le nord de la Gironde, lorsqu'ils se sont promenés là, ils ont vu un passage de Hoc à Oil assez net. D'un côté, il y a des communes qui parlent Hoc, de l'autre, des communes qui parlent Oil, et puis il s'est coupé à peu près au couteau. Et puis tout d'un coup, en remontant, ils s'aperçoivent qu'on parle Saint-Onger en Dordogne, dans ce coin, vers la Roche-Chalais. Et puis tout d'un coup, toujours en Dordogne, sur ce petit secteur qui va de Haupterre en Charente, jusque sur cette commune de Dordogne, ils aperçoivent un parler qui n'est ni Hoc ni Oil, qui est entre les deux. Ils appellent pas ça du marchois, on est loin de la marche. Et pourtant, c'est la même chose que le marchois. C'est un parler de type marchois au sud de la Charente, Haupterre, et dans un tout petit coin de Dordogne. Voilà ce qu'ils nous disent. Ça commence à Puymangon en Dordogne, puis ça continue sur Chenaud, et en Charente, sur les Essarts, Bonne, Saint-Martial, La Pratte, Saint-Romain, Haupterre, Nabineau, Saint-Séverin, Pillac et Montignac-le-Coq. Ensuite, le contact entre Hoc et Oil redevient à couper au couteau. Il n'y a pas de parler de transition. Puis à nouveau un parler de transition, mais que sur une seule commune. C'est la commune de Julliaguet, qui elle aussi est de type marchois.
Voilà ce qu'il découvre à ce moment. Alors, au sujet du classement de ces parlers-là, voilà ce qu'ils nous disent. D'abord, l'impression que les gens ont, leur sentiment d'appartenance. Ils nous disent, les habitants des 12 communes dont on vient de parler, là, appellent leur langage de langoumoisin et le distinguent du Saint-Ongeais en usage à l'ouest de cette zone, aussi bien que du périgourdin, c'est-à-dire du limousin, ou comme on dit dans le pays, du périgord, parlé à l'est. Le classement de ces parlers pose problème quand même à De Tourtoulon et Bringuier, et ils nous disent « Nous ne serions pas éloignés de ranger ces 5 communes dans la langue d'Oïl, car la plupart de leurs formes se retrouvent dans quelques dialectes de cette langue. Seulement, comme les villages situés plus à l'ouest ont une physionomie française plus accentuée, et que la transition est plus brusque des pays d'Oïl à la zone mixte, que de cette dernière au pays d'Oc, il n'est pas étonnant que M. l'abbé Michon ait rejeté ces communes dans le domaine de la langue méridionale. Michon, c'était 30 ans avant, il avait dit on parle occitan ici. De Tourtoulon et Bringuier, 1876, nous disent Oil ici, Oc là, zone intermédiaire ici. Les gens appellent ça de langue moisine. Ensuite, il remonte. Et il trouve encore une ligne de démarcation à couper au couteau derrière Angoulême. C'est bon. Une zone marchoise, vous la voyez là-bas, ouais, qui s'élargit tout d'un coup, avec plusieurs numéros dedans, parce que dans cette zone marchoise, il distingue plusieurs variétés de marchois. Voilà où on en est en 1876. Vers 1900-1910, on a un linguiste natif de Vindel, à côté d'Angoulême, professeur à l'université de Liverpool, qui fait une thèse sur l'évolution phonétique des parlers de l'angoumois et qui s'en va d'Angoulême au nord de la carte, dans chaque commune, écouter les gens, dans chaque hameau de chaque commune. Et il nous cartographie ça dans sa thèse, qui est publiée juste avant la guerre de 14, sur comment on passe d'Oïl en Oc. Et en faisant ces enquêtes, il s'aperçoit de quelque chose de bizarre. Je vous livre ces mots. Il était gauche, assurément, le jugement du paysan de Nitra, commune de Saint-Amand, qui me disait à Saint-Amand, on parlait autrefois beaucoup plus sur la qu'à Nitra. Pourtant, venant de découvrir grâce à des amis une vieille femme indigène de Saint-Amand-Boix qui conservait dans son parler loup, la au pluriel, les infinitifs et participes en a, les imparfaits en ave, comme vous dites ici, je trouvais qu'il ne manquait pas de justesse. Ce que vient de trouver Terrachet, 30 ans après De Tourtoulon et Bringuier, c'est que De Tourtoulon et Bringuier se sont trompés et que dans la forêt de Saint-Amand-de-Boix, ici, sur le haut plateau, dans cette boucle de la Charente, et bien les parlers marchois sont encore vivants et De Tourtoulon et Bringuier ne l'avaient pas vu. Les parlers marchois sont vivants chez les anciens qui ont 80 ans, 70 ans, et les jeunes se mettent au Saint-Ongeais, au sud de la forêt et au Poitevin, au nord de la forêt. Il ne passe pas aux Français. C'est le Poitevin-Saint-Ongeais qui, sur place, fait reculer les parlers marchois. Voilà ce qu'il dit. On ne trouve plus au bourg d'Aussac que 4 ou 5 vieillards qui aient conservé le parler ancien, c'est-à-dire le marchois. On trouve à Valac ce parler chez la moitié environ des habitants et à Ravaux, chez presque tous. À Saint-Amand-de-Boix, qui est le chef-lieu de canton, à l'ouest de la forêt, on n'entend guère que le français. Seuls 2 ou 3 vieillards ont gardé le patois ancien.
chez les gens de 40 à 50 ans qui ne parlent pas purement français, le patois tend à se rapprocher de ceux de l'Ouest, Montignac, etc., c'est-à-dire du Saintongeais. C'est une découverte intéressante. Hein. Deux tourtournons ébrinqués se sont trompés, vous avez bien compris. On a des parlers marchois vivants 30 ans après l'enquête, mais pas n'importe où, sur un haut plateau où il n'y a pas de route, loin de la vallée, avec une forêt, et uniquement chez les anciens. Ça, c'est la première surprise. Deuxième surprise, c'est une publication de 1876, juste après de Tourtoulon et Bringuier. On a Boucherie, qui était professeur à Montpellier, comme de Tourtoulon et Bringuier d'ailleurs, qui nous publie une étude sur une petite commune de Charente, une petite commune de Charente en zone deuil, à côté de Montmoreau, mais où on parle marchois. Elle est entourée de pays deuil, mais on y parle marchois. Et dans son étude, il nous livre une lettre que de Tourtoulon et Bringuier lui ont envoyée, parce que quand ils ont fait la limite, ils sont allés un petit peu voir à côté, et voilà ce qu'ils lui disent. Les habitants de Sainte-Trope, c'est le nom de cette commune, avaient autrefois un langage particulier, presque disparu aujourd'hui. Nous n'avons pu l'entendre parler que par deux femmes, dont l'une âgée de 81 ans. Cette langue ressemble beaucoup à celle de la zone mixte où se trouvent Chenard, Bonne, etc. On a donc un parler de zone mixte dans une commune isolée ici. L'hypothèse de Boucherie, qui intitule son étude « Une colonie limousine en Saintonge, ou en Charente, je ne sais plus », c'est que des marchois, des limousins, sont venus s'installer sur la commune. Et il dit « ça peut être que ça, parce que c'est des potiers, ils vivent entre eux, ils se marient entre eux, ils se marient tellement entre eux que quand les notaires ont besoin de témoins, ils ne peuvent pas les prendre dans la commune parce qu'ils sont tous de la même famille, ils les prennent dans d'autres communes à l'extérieur ». Je suis remonté dans les actes notariés, j'ai pas trouvé de migration, je suis remonté jusque dans les années 1600, avant ça a brûlé, j'ai rien pu trouver. En fait, si on regarde bien ces arguments, ça peut être pris dans l'autre sens. Ils se marient entre eux depuis longtemps, tout en ayant toujours été là. Ils font tous le même métier, ils sont potiers, d'où consanguinité. Peut-être qu'en fait, ils ont gardé le parler ancien, que c'est pas une colonie d'ailleurs. Et c'est l'hypothèse que fait Pierre Bonneau, linguiste auvergnat, qui nous dit « Des îlots parlant limousins, marchois, ont pu substituer un certain temps, en Saintonge, peut-être Sainte-Trope, en est-il le dernier témoin dans la zone oilisée ?» Il parle même de but témoin. Pierre Bonneau, c'est un géographe qui s'est intéressé à la linguistique de l'auvergnat du Poitou Saintongeais. Pour lui, Sainte-Trope, c'est une butte témoin, quelque chose qui reste d'un ancien temps. Hein? Alors, pourquoi d'un ancien temps? Eh bien parce que, avant de parler Poitevin-Saintongeais, nous autres, Poitevin-Saintongeais, on suppose qu'on aurait parlé occitan. Les toponymes en hac, dont on a parlé ce matin, du genre Bergerac, Cognac, etc., sont fréquents en zone d'oc. On les trouve aussi en zone Poitevin-Saintongeaise, dans le sud et le centre des deux Charentes. Henri Mallet, dans les années 40, a publié une étude disant « L'Occitan a remonté jusqu'à cette zone-là parce qu'on trouve en masse les toponymes en hac. » Ouais. Pignon, 1950, publie une thèse sur l'évolution des parlers du Poitou. Et au lieu de chercher que les noms de communes, il cherche les noms de hameaux. Il s'aperçoit que les noms en hac remontent jusqu'ici, en prolongation d'ailleurs de ceux qu'on va trouver dans le sud du Berry. Il suppose donc qu'on a eu un parler de type occitan, à une date ancienne, jusqu'à une ligne Poitiers, Niort, Rochefort, à peu près. Vers la fin des années 90, début des années 2000, on a Pierre Gauthier de l'Université de Nantes qui publie une étude où il montre qu'en fait ces toponymes en hac se rencontrent aussi dans le sud Vendée, jusqu'à la hauteur de Talmont-Saint-Hilaire-Fontenay-le-Comte, et on est là en ligne droite, exactement, depuis la zone Berrichonne.
typiquement, on a quelque chose qui s'est passé ici, une toponymie d'oc et une langue d'oïl à l'heure actuelle. Il y a bien un problème. Ce qui est intéressant pour les géographes, ça n'a pas été corrélé pour l'instant par personne, et pourtant c'est très net, les toponymes en hack s'arrêtent en fait à l'arrivée sur le socle granitique. Hein? Toute la plaine vendéenne, qui fait partie du bassin aquitain, comme le seuil du Poitou et ces plaines poitevines ici, sont avec une toponymie en hack, elles s'arrêtent dès qu'on arrive sur le socle granitique. Voilà, donc il y a eu un recul de l'Occitan, de toute cette zone ou d'une partie de cette zone, on ne sait pas exactement. Et de toute façon, il y a bien eu un recul Occitan, puisqu'on a une enclave poitevine là-bas en bas, hein, avec les périphériques qui a beaucoup de rapport avec celui du nord du Poitou d'ailleurs. Et donc l'enclave de Sainte-Eutrope pourrait être un reste de parler marchois du temps où on avait un parler marchois qui était parlé dans une plus grosse portion de ce sud de Charente. J'ai mis en orange cette enclave de Sainte-Eutrope parce que le marchois a disparu à la fin du 19e siècle. J'ai mis en orange cette zone de Saint-Amand-de-Boix parce que le marchois est disparu au début du 20e siècle. Alors, de Tourtoulon et Bringuet ont continué leur enquête vers le nord. Ils trouvent une zone marchoise dans les environs de Champagne-Mouton, c'est dans l'ouest du Confolentais en Charente, dans les environs de Pressac et d'Availle-Limousine, la bien nommée en Sud-Vienne, de même que dans les environs de Bussière-Poitevine en Haute-Vienne. Sur la Vienne, ça concerne le sud de la commune de Thiat, où je suis allé enquêter dans les années 80, il y avait encore des locuteurs, et d'après certains, la commune de Coulonges, où le parler marchois est en voie de disparition. Alors, pareil qu'en Charente, le classement de cette zone a posé problème à beaucoup de gens. Rousselot, qui était un linguiste de Charente, qui est le père de la phonétique expérimentale, c'est bien ça ? Enquêtant sur les parlers marchois de ce nord Charente, c'est-à-dire de la zone de Selfroin, ici, nous dit, à propos de leur sentiment d'appartenance, Angoumois, le locuteur, il n'ose s'attribuer cet honneur. Limousin, il proteste. Pour Ventouse, je vais faire en gros, pour Ventouse, le Limousin commence à Selfroin. Pour Selfroin, à Saint-Cloud. Pour Saint-Cloud, à Nieul. Pour Nieul, à Roumazière. Et je serais bien étonné si pour Roumazière, le Limousin ne commençait pas à la Péruse ou au-delà. C'est parce que dans cette zone de rencontre, les pauvres gens, ceux qui vivent de polyculture, c'est les marchois. Les gens riches des plaines céréalières, ils parlent Poitevin-Saint-Onger. C'est le contraire ici. Les riches, ils sont dans les vignobles, et les pauvres gens, ce sont les Poitevin-Saint-Onger qui descendent comme ouvriers. C'est peut-être là l'explication de cette migration vers le sud. Le classement de cette zone pose problème, je disais. On a Marcel Coq en 1970 qui vérifie cette limite et retrouve la même en 1970, à quelques détails près. En un siècle, elle n'a pas bougé. Et je peux vous dire que là-bas, on a encore des locuteurs, que vous pouvez aller là-bas, vous verrez des gens qui vous parlent en Poitevin-Saint-Onger ou en marchois, comme ça, directement, parce que c'est encore vivant. Voilà ce que Marcel Coq, qui est un militant occitan décédé maintenant, nous dit à propos des parlers marchois du Nord Charente. Où classer... Alors, il les a coupés en deux. Hein. Il a fait plusieurs zones. Alors, B, C, D, E, D, C. D, D, c'est du marchois qui ressemble bien au Limousin. C, c'est du marchois qui ressemble déjà moins au Limousin. Celui de la bordure. Où classer l'ensemble de la zone C, celle des parlers sans dominante précise. En zone occitane ou en langue d'oïl? Et c'est un militant occitan qui parle. Hein. La réponse à cette question est assez délicate.
La zone C prolonge en fait les parlers de Pressac, Miac, Moutère, dans la Vienne, que Pignon situe dans le croissant occitan, lequel s'élargit ensuite considérablement dans le nord de la Haute-Vienne et de la Creuse, ici. Pour Pignon, ces parlers sont indiscutablement occitans, et il faut observer que la compréhension est très difficile entre locuteurs de cette zone et sujets saintongeais et poitevin. Pourtant, pour l'habitant de Chasseneuil ou de Confolens, le parler de Champagne-Mouton est sans aucun doute du patois saintongeais ou poitevin. En fait, le décompte rigoureux des critères Doc et Doyle montrerait qu'on est dans une zone indécise, assez également partagée entre les deux langues. Et il continue. Mais ici n'est pas l'essentiel. Si l'on passe du plan de la recherche scientifique à celui des perspectives d'ordre pratique, il devient évident que cette zone inclut encore assez de traits occitans, au moins 50%, pour qu'un enseignement de l'occitan puisse être organisé avec beaucoup de profit. Il serait absurde d'abandonner à la francisation une zone qui a si longtemps résisté à l'invasion culturelle de la langue d'Oyle et qui constitue d'ailleurs un rempart salutaire pour des parlers plus spécifiquement limousins. En plus, Pignon remarque que les parlers limousins sont, avec très peu d'accoutumance, très aisément compris par les habitants de la zone C, marchoise. Cette zone est donc peut-être moitié occitane sur le plan scientifique, mais au niveau militant, elle est occitane au même degré que les autres régions d'Oc. On voit donc là que le classement est différent selon qu'on a une approche scientifique ou politique de la chose. De bricole encore. Jacques Pignon, 1960. Nous parlons des parlers du Montmorillonnais. Tout à l'heure, quelqu'un disait du Montmorillonnais et d'Oc. On voit bien là qu'il est Doyle, sauf sur sa marge. Nous explique que toutes les communes de ce sud du Montmorillonnais, on trouve de forts vestiges occitans. Et que, pour lui, ces communes sont passées de l'occitan marchois, enfin, du marchois au poitevin, au cours du 19e ou du 18e siècle. Il constate même, dans les années 50, que les communes les marchoises d'ici et même du nord de la Haute-Vienne sont en fait en train de passer au poitevin. Donc je ne vais pas donner les citations pour ne pas alourdir. Enfin, il cite plusieurs auteurs des siècles passés qui nous disent, que passé Montmorillon, on ne parle quasi plus français. Un autre, que passé Chauvigny, on ne parle plus français. On voit bien que cette limite a dû bouger dans le Montmorillonnais, et assez tardivement. Alors maintenant, je vais vous parler d'un auteur de Pleuville. Pleuville, c'est une commune qui est classée en Oc, en zone marchoise, par la plupart des gens qui tracent des cartes. Mais c'est aussi la commune de naissance d'un professeur d'université de Poitiers, professeur d'allemand d'université de Poitiers, qui est un de nos meilleurs auteurs contemporains de langue poitevine. C'est pas cohérent. Il est né dans une zone marchoise, il écrit en poitevin. Il s'en explique en ces termes. Je vous cite. Lui disait « Bord du pan à qui chie, donne du pain à ses chiens. » Je n'ai pas souvenance d'avoir entendu quelqu'un d'autre le dire à Pleuville, où l'on s'en tient maintenant à Dundopin à Quéchin. On est passé du marchois au poitevin à Pleuville au milieu du XXe siècle. L'évolution est en cours, là. On la voit. Allez, zut, un dernier truc. Je vous montre un tableau. C'est mes enquêtes des années 80, 90 et 2000, où vous verrez comment on passe d'une langue à l'autre. Il faut qu'il la cherche, qu'il la trouve. Allez, qui ? Allez, je vous dis quelques phrases. C'est tous les 5 km à côté de Pleuville. Ça, c'est le parler que je parle, que j'ai appris chez moi. Ça, c'est le parler à 8 km de chez moi. Ça, c'est le parler à 5 km de chez eux. 8 km, 5 km. Allez, on y va. Il est venu dans nos maisons pour manger les pommes des deux pommiers qui poussent dans leur chemin. La venue dans nos maisons pour manger les poumes de deux poumiers qui poussent dans nos chemins. Vos venues dans nos maisons pour manger les poumes de deux poumiers que poussent dans l'ouré chemin. Vos venues dans notre maison pour manger la poume de deux poumiers que poussent dans l'ouré chemin. J'arrête ou j'en fais deux? Encore un. J'arrête ? Encore un. Il trempait les morceaux de ce pain de blé dans de l'eau.
Le trempé les moursot tu au pain de biais dans de l'aigle. E trempi les moursés de que pain de biais dans de l'aigle. E trempave le moursé de que pan de bia d'un de l'aigle. Voilà. Et ça, ça vit en ce moment. Très bien. Merci. 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 Merci.